Space Nosca, Notre-Dame d'Espérance. C'est une école pour jeunes filles. Comme activité, et la grotte, nous l'avons construite et en ramassant les moellons, parce qu'il fallait deux charges de moellons. Mais avec les enfants, nous avons ramassé dans la parcelle les moellons et à l'aide de ces moellons, nous avons construit la grotte. Donc il y a la participation de chaque enfant et de temps en temps, les enfants se confient à la Vierge Marie. Celles qui ont des problèmes, elles passent par là pour dire un petit mot à la Vierge Marie et des fois, il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Nous apprenons aux enfants à vivre le charisme des sœurs de la charité, qui est de Jésus et de Marie, celle de s'occuper des vulnérables, au service des vulnérables. Au niveau de l'école, nous avons été à la prison, la grande prison Kasapa, avec 1300 élèves et avec les concours de chaque élève, nous avons apporté 100 sacs de farine de 25 kg, 4 évidors d'huile, voilà, de 20 litres et autres choses, sucrées ou minérales et sucrées. Et voilà, il y a aussi des activités pour faire connaître notre charisme des sœurs de la charité. Nous avons eu aussi des partages de Nouvel An avec les personnes âgées vulnérables. Grâce aux enfants, nous avons eu tout ce qu'on pouvait donner. Les enfants se sacrifient, ne travaillent pas, mais se sacrifient de leur petit pain, leur transport. Elles font le pied à quelques kilomètres, 5 ou 10 kilomètres de la maison. Elles font le pied et leur transport, leur argent pour le petit pain et se sacrifient. Elles mettent ensemble et elles aident les personnes vulnérables, les personnes âgées. De la part des enfants, beaucoup ne sont pas catholiques, 85% non catholiques et 15% catholiques. Et avec les 85%, tous les enfants prient Marie parce que ça fait partie des règlements où les enfants doivent vivre la vie de l'Église parce que c'est une école conventionnée catholique. Donc, les prières de l'Église, les enfants doivent se soumettre. Elles prient, mais à la longue, elles finissent par revenir dans l'Église et même les parents. Et il y a celles qui reçoivent même les baptêmes, les sacrements. Donc, sacrement de baptême, confirmation, première communion.